commencer la quête de Jimbo et de Ned. Bon, on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous a plu. Désolé, j'ai eu un peu de mal avec l'épée. J'essaierai de m'améliorer la prochaine fois. J'espère que quand même cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de laisser un j'aime et un commentaire si ça a été le cas, pardon. De vous abonner à la page Facebook. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, n'oubliez pas de vous abonner, ça coûte rien, moi ça me fait plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de l'aspect de South Park, le bâton de la vérité. Allez, salut! Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite du Let's Play de South Park, le bâton de la vérité. Dans l'épisode précédent, nous avons obtenu l'invocation de Monsieur Jim. On a fait d'autres choses aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on va... que je me rappelle des touches, évidemment, ça commence mal. J'avais idée déjà de... Bon, pour l'instant encore, on va changer ici. Je me rappelle des touches. Je voulais faire la quête de... C'était quoi déjà? Non, pas le cache-cache. La chasse au gros gibier de Jimbo. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup d'objectifs. 2, 3, 4, 5, 6. Oui, il y en a pas mal. Je vais peut-être les faire en plusieurs parties. Peut-être la faire en 2-3 vidéos. D'ailleurs, celle-là, elle est là. Et il y en a déjà une là-haut. Ben, on n'est pas très loin. Donc tout simplement, on va commencer par celle-là qui est tout en haut. Alors je vais faire un combat pour me rappeler des touches, parce que ça doit faire quasiment A. Ah oui, c'est vrai, il y a le bar. C'est vrai, là, c'est sur 12 bagues. Bon, bah, on va faire le bard aujourd'hui. Ah, c'est des enfants qui boivent au bar. En pleine vidéo, c'est pas mal. Bah, il peut chanter, en même temps c'est un bar. C'est le bar. Jimmy, il a un peu de mal à parler. Non. Non, je veux pas passer. Moi, je veux entendre, il a du mal.
Ok. On commence par quasiment un combat de boss. Défense améliorée. Et donc. Alors, non, on n'a pas d'invocation. Aptitude. C'est quoi? Coup de blessure, la tâche de couille. Coup de blessure. J'ai mal fait. Ce n'est pas grave. Coup de main, on n'en a pas besoin. Aptitude. Comment j'ai perdu? Faut une vierge. Il chante bien le barde. Alors, aptitude, on va refaire la même. Cette fois, on va réussir. Voilà. Comme ça, on a tué un. Voilà, touche de guérison. Parce que j'ai pris sévère. Little Body. Non, je peux la faire qu'une fois. Mince. C'était une fois. C'était une fois. Ouais, c'est ça. L'arc était pas mal. Sont disponibles, on verra. Ah oui, d'accord. Merci.
bizarre ça de gueuler. On dirait un enfant. Je reprends parce que j'arrive vraiment plus à péter, donc je reprends tout de suite. Ah, désolé, je viens de réussir, j'ai un peu de mal. Mange des cheese butters. Résurrection. Little Buddy, tu m'as donné de la vie, même si toi t'as plus grand chose. Bien joué, Butter. Un succès, maîtrise des armes. Ah ouais,
s'accroche. Toujours Little Buddy. Heureusement que t'es là, Butters. Ça dépend des fois. De quoi, hein? D'abord, dans les options, inventaire, aptitude, c'est quoi ça, l'attaque de couille, couille blessure, inventaire, qu'est-ce qu'on a de plus, déjà une nouvelle, ah, j'ai eu un arc, l'arc est, 35.3 et plus 10 en feu, ouais, mais il est plus nul. Là, mais qu'on a Steve. J'ai toujours pas regardé à quelle heure j'ai commencé la vidéo. Sauver Kirkman. Et avant. Combien? Ah, ils sont 3. Ouais, je suis sûr. Aptitude. Coup et blessure, comme d'hab. Ici, parce qu'ils sont touche 2. Comme c'est lui, il n'y a plus de bouclier. Et toi, Butters, comme d'hab. Celle-là, comme ça, ça touche les deux.
la flèche. Non, merde, je me suis gouré. Attitude. Non, coup et blessure. Voilà, tiens. Je fais pas mal avec ça. Little Buddy. Voilà, Little Buddy. Et toi? Ça. Butters, toujours pareil, Little Buddy. Il est mort déjà. Game over. Continuer. Premier game over du jeu. Ça commence déjà à être un petit peu sérieux. Par l'elfe. Parce que il est bientôt mort. Et toi, tu vas faire ça comme d'hab et tu vas le tuer. Voilà. Ça a déjà un en moins. Tu renvoies les dégâts à toi, on va changer. Aptitude, un coup de blessure, même si t'es tout seul, c'est pas grave, on veut bien, faut bien enlever ton armure. Voilà. Ça, on enlève ton armure. Toi, toujours pareil, touche de guérison, Little Buddy. Par toi 106, voilà. Quand il fait pas mal en contre-attaque, lui. Bien joué. Kismaya, soit c'est ça. Bah, toi, on va te finir. Toujours pareil, toi. Le buddy et forcément on finit l'autre. Voilà, le buddy.
potion de guérison. Potion de guérison et tu vas attaquer. D'accord? Regardez, voilà, j'attaque encore. Tantôt. Une grande potion de santé pour notre ami Buders. Parce que ce petit bonhomme, c'est toujours lui. Voilà, et aptitude, coup et blessure, parce que évidemment on peut la faire deux fois. Dernier. Voilà. Enfin. D'abord, je fouille, moi. Ce écartement. Jour violet, princesse. N'importe quoi. Ils veulent pas qu'on le loot. Caché un chez Pokémon, bon, Princess Kenny. Ça brille. Ouais, Twig, j'arrive. C'est peut-être pas celle-là. La magie, bah, c'est ce que je fais. Je le sens de flatulence.
Mais c'est ce que je fais, ta gueule, putain. Bon, tais-toi. Lui, il m'énerve tellement que. Bon, il m'énerve. Je vous reprends quand j'ai fait l'action à tout de suite. Voilà, j'ai réussi. J'ai réussi. Mais quoi, c'est moi qui ai tapé en premier? Oh, j'ai peur. Aptitude, ils sont deux là-bas. Donc évidemment, coup et blessure. Toi, évidemment, Little Buddy. Toujours la même. On change pas. Putain, il y a combien? 810? De la nature. Il faut que je m'en occupe assez vite. Autant contre-attaque. Altération supprimée. Putain, c'est un shit lui. En un enchaînement, il m'a défoncé. Je vais supprimer l'élève. Comme ça, c'est fait. Little Buddy. Défoncer lui. Il enchaîne combien de fois lui? C'est abusé. Non, pas Little Buddy cette fois. Little Buddy, ce sera pour toi. Potion de santé, une grande. Attaquer lui parce que il nous faire quoi? Potion déjà, potion de guérison. Et bah tiens, on va attaquer Clark en espérant que ça l'empoisonne. Alors je vais attaquer normalement, tant pis. Potion. Potion de. Sentez une petite. Allez, il va me défoncer en un coup là. Comment il m'a défoncé?
potion de santé. Tiens, potion de santé petite. Voilà. Ah, ça lui fait qu'un. Ouais. Little Buddy, on n'a pas besoin, mais toi. Potion de santé petite. Bravo, clap clap. Par contre, maîtrise de la hallebarde. Attaque améliorée. Et bah, du coup, Little Buddy là. Buddy, ouais, mais Little Buddy c'est que sur. Qu'est-ce qui fait mal, s'abuser? Il faudra que j'achète des potions de santé hein, parce que j'ai plus que des petites. Prochain tour, il est mort. T'es balèze ce combat. Ça commence à être un peu chaud là. Moi qui voulais faire la quête d'une brunette armure d'elfe. Ben on va voir si elle est bien. Alors moi j'ai quoi? J'ai celle-là. Plus 10 de dégâts d'aptitude après une attaque parfaite. Plus 5 d'armure réduisant les attaques ennemies. Là j'ai plus 8 d'armure et soigne 20 PV de chaque tour avec l'utilisation d'un arc. D'accord, mais je vais quand même la mettre. Parce que j'ai plus 8 en armure. Des potions. Ah, la figurine de Terrence. Ils ont des potions, ouais. Parce que là, c'est figurine de Philippe. Potion de guérison. Ah, c'est sympa, mais... Potion de santé grande. Ouf. Un autre ici. Ça me perturbait ça. Sexy note là. De santé petite, heureusement. Ouais, t'inquiète pas, on va aller voir la princesse. Elle est en train de se faire violer, la princesse. Princesse qui. Clé du garage de Jimmy. Chose bizarre.
Heureusement qu'il y a des trucs qui brillent. Attends. J'ai sauvé Princesse Kenny, super. On peut pas le fouiller lui? Retourner voir quelqu'un d'autre. Salut Butters, je le vois. Kenny est désormais votre pote, monsieur. Faut que je combatte avec Kenny, j'ai pas envie. Pas sortir. Je pensais sortir, aller dans le garage. C'est le grenier, d'accord. Tiens, je t'ai pas vu Dodo. Gant d'elfe. On va avoir tout l'équipement d'un elfe. Alors mon gant déjà il fait quoi? Plus 1 d'armure et une attaque parfaite réduit les boucliers de 2. Alors plus 3 d'armure réduisant les attaques ennemies. Les attaques d'arc infligent 10% de dégâts en plus. Et les attaques avec une arme à distance infligent plus de dégâts. Bon, en gros ils veulent que j'utilise l'arc. Tiens bim je t'ai eu. Il est mort parce qu'on l'a eu avec le truc.
enfin en affrontant. Ah non, j'ai Kenny, mais. Il y a combien de vie? 1600! Oh non, des rares. C'est quoi ça? Magie. Mana 40, mana 60. Alors. Aptitude, coup de blessure. Ça, j'ai éclaté un rat. C'est quoi ça, Kenny? Charme. Vas-y, on va charmer. Charme. Alors, dépose un baiser sur les ennemis pour les prendre complètement à dépourvu et cœur la cible. Ami à poil. Ensorceler créature et nature, beauté. Ah merde, il est mort. Ah, il est revenu, Kenny, ouf. Aptitude, t'as quoi? Baiser royal, tiens, bon, on va tester baiser royal. Et cœur. Champ de protection. Comment tu esquives ça? Surcharge de mana. C'est quoi ça? Entrailles sensibles. Ah oui, c'est fusé. Est-ce que j'ai une potion de santé? Si, je vais en avoir une grande. Parce que là. Chaud, hein. Putain, mec, comment tu excuses ça? C'est de mana encore. Examiner. Ah, c'est ça. Je suis inscrit. Putain, on peut pas esquiver ça. Change de mana. je me suis fait pipi dessus. Ah, il est bientôt mort. On finit le barde là. Chasse-toi, barde.
quilles de feu, d'accord. Des quilles de faiblesse. Vas-y, on va voir, elle est bien ou pas? Alors, j'ai une arme niveau 3, 30, 34, 47 x 2 et 30, 42 x 3. Ah, elle est mieux. Confère attaque renforcée à 21, les dégâts d'armes augmentent x 2 la valeur d'armure. Et en cas d'attaque parfaite, réduit l'attaque de la cible. Bah tiens, hop, on va prendre la béquille. Coiffe d'elfe. Bah, on va voir ce que ça donne aussi. Hein. La coiffe d'elfe. C'est plus 3 d'armure et 50% de dégâts. Plus 1 d'armure réduisant les attaques ennemies et confère 1 PP en cas d'attaque à l'arc. En gros, attaquer à... laisser là parce que je sais pas ça fait combien de temps. Oh le bâton, oh le bout de bois. Je te demande, ouais je suis un membre officiel du Koopaki. Yeah, merci. Il est tard. Alors, qu'est-ce que je voulais voir d'abord? Aptitude, c'est celle-là. Augmente les dégâts de votre charge de taureau. On va la prendre. Bon, bah, dans le prochain épisode, cette fois, on va peut-être d'abord rentrer, il est tard.